Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est parti pour la troisième partie de Super Mario Luigi! Mario Luigi et Super Star Saga, voilà. Ouch. Donc c'est parti! Alors on reprend notre partie, hein. Rappelez-vous, on était au plateau Stella, on a foutu une raclée à un boss. Et donc on va sortir de ce plateau sans plus attendre. Vous êtes prêts? Excusez. Voilà, c'est bon. Alors, hein? Vri. Ah bon, j'aurais dû sauvegarder à celui-là. Alors là, il faut. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tum tum, champignon. Voilà. Et là, on va être dans un village. Arrêtez-les! Enfin, nous vous avons trouvé! Où est le prince Arik? C'est vous qui avez kidnappé le prince Arik? Avouez-le! Nous avons les témoins, alors inutile de mentir! On est les frères Mario! Ah ok. Quoi? Vous êtes Mario Luigi? Qu'est-ce que Superstar du Royaume Champignon ferait ici? Ouais, voilà. Dites-moi la vérité! Ils sont venus jusqu'ici en suivant, en craquant mon mât. Ils sont plus forts qu'ils ne le paraissent. Ah ouais! Ah t'es cool toi. Nous vous demandons. Pardon. En fait, le prince de notre pays a été kidnappé. Nous venons de recevoir cette nouvelle du village. Ouf! Nous sommes en train de chercher des indices. Selon des témoins, le kidnappeur portait un casque étrange et s'exprimait bizarrement. Faites-nous savoir si vous apprenez des choses intéressantes. Continuons à chercher, de notre côté. D'accord. Alors donc il y a un voleur ou je sais pas quoi, ok, qui a volé le... enfin qui a kidnappé le prince Eric. Très intéressant. Ah bah là, donc là il faut... Alors, il y a des autres G. Doum 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 doum. Bon là il faut un autre G pour casser les briques, hein. Enfin casser les rochers. Des champignons qui peuvent toujours servir. Et là il y a... Oh bien, champignons, toujours champignons. Allez. Je crois qu'il faut parler à tout le monde. La marque que vous y voyez là, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui est caché. Vous verrez ce que ça sera plus tard. Je vous le dis pas. Voilà. Donc là, il faut parler au... À quoi? Ah ouais! Ah c'est ouf! C'est ouf ça! Mais c'est trop bien! Je passe le dialogue parce que c'est vraiment pas intéressant. Bon, lui, on dirait Joestar. Non, je déconne. J'attends depuis longtemps que le Psuranodon revienne. Il est parti au sommet de la montagne après avoir vu quelqu'un ressemblant au prince Arik. Nous ne pouvons pas aller au sommet. Je suis très inquiète. Eh ben, on va y aller à pied alors! Sans blague. Des vestiges de civilisation, mais c'est formidable ça. Quelle journée à faire. Bon, soit de passant. C'est quoi ce délire? J'entendais un petit bruit. Eh, des travailleurs! Ils sont au-dessus en fait. Donc là, si on sort du village, mais en fait, on va être bloqué. Rendez-nous le prince Arik! Ok. Et Gogol qui rigole toujours. Eh, salut, man! Bien. C'est vous! J'aurais dû me débarrasser de vous quand j'ai fait avec Bowser. Vous m'avez rattrapé pendant que je perdais du temps avec le prince Arik! Craquer Mona est en train de réaliser son prochain plan au château de Vegetia. Je vous le dis, car vous n'y arriverez jamais à temps. Vous n'irez pas plus loin. D'accord. Et en fait, on n'ira pas plus loin, effectivement. Vous ne pouvez pas descendre plus bas tant que vous n'aurez pas détruit ce rocher. Et ouais, parce qu'il faut un autre jet pour détruire ce rocher. Eh ben, c'est très facile à avoir pour le pouf. Eh ben, c'est très facile. En fait, il faut. Eh ben, enfin, pour pas y aller tout de suite, parce que ce sera pas tout de suite d'ailleurs. Là, point de sauvegarde, mais j'en ai rien à quoi si je sauvegarde si je meurs? Oh, il faut vraiment vouloir mourir au début du jeu comme ça. C'est pour le niveau 5 que je vais mourir. Enfin, dans le jeu, on peut mourir assez facilement, c'est vrai. C'est souvent chiant quand on perd un de ses partenaires. Ah ouais, on perd un de ses partenaires, on se retrouve comme ça, et puis voilà. On se débrouiller, puis. Parce que quand il est mis KO, bah c'est chiant. On va moins vite quand on a perdu un membre. Enfin, principe, enfin, principe,
Je m'en sors bien, en principe, j'utiliserai jamais des super up. Enfin, normalement. Enfin, on sait jamais, hein, ça peut arriver. Y'a quoi? Ah! Ah ouais, bah y'a rien. Voilà, y'a rien. Donc là. Bon, y'a pas photo, hein, faut faire ça. Oh yes! Champignon, donc là, il faut. Ouais, bien. Alors ici, il y a pas mal d'autres G. Oui, alors les sirops qui rechargent un point de vie. Donc là, les pièces, il y a des romantiques. On s'en fout, les romantiques. Donc là, il y a de la flotte. Là. Une grosse tortue qui nous bloque le passage. Donc il faut la renverser plus tard. On peut lui causer, elle nous dira... je sais même pas ce qu'elle dit d'ailleurs. Et là, il faut boire de l'eau. Il faut demander à Mario. Parce que Luigi, lui, c'est vrai. Lui, c'est un petit peu une flippette. Parce qu'il... Bah ouais, il aime pas l'eau froide, hein. Et ouais, il recrache aussitôt. Et là, il faut faire activer l'espèce de ventilateur. Voilà. Et on gagne des champignons, ou éventuellement, on peut gagner des pièces. Et si du moment que je gagne un champignon, je vais retenter l'expérience jusqu'à ce que je gagne plus que des pièces. Après, on gagne une pièce, c'est pas 5 pièces, c'est une pièce à tout casser, quoi. Et là, on peut activer le machin. Remis d'ici. Un champignon? Ah non, donc là, c'est une pièce, donc c'est même aléatoire, je crois aussi. C'est aléatoire! Attends, un coup ça peut être un champignon, mais plus souvent c'est des pièces. Alors. Voilà, j'ai gagné une champignon, je suis assez content. Mais tout dans le jeu là, je vais avoir une cinquantaine de champignons quoi. Après, il y aura des super champignons, mais un peu moins. Donc c'est parti, on va là-bas. Donc là, il y a des travailleurs. Donc là, il y a des travailleurs qui construisent le pont. Et là, il faut aller voir les mecs là, un peu bizarres, qui ressemblent à des marteaux d'ailleurs. Oh, c'est la dernière pierre! Vous allez voir le temps des fins forgerons! Nous portons tous nos espoirs sur cette pierre. Et voilà. Mais en fait... Oh là là! Cette pierre était trop mauvaise pour pouvoir fabriquer un marteau. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ah ouais, très clair. Oui, c'est très clair. Quoi? Vous voulez que vous fabriquiez un marteau? Ben je vous reconnais! Vous êtes Mario Luigi Nourrir Champignon, l'espèce du saut du marteau! Ah oui, je vous reconnais aussi! Alors la réaction! Pourquoi des personnes comme vous ont-elles besoin d'un marteau à un endroit pareil? Ah non, vous n'avez pas besoin de vous donner de raison! Je vais faire ce que vous vous demandez avec le plus grand professionnalisme. Tu as raison. Mais pour faire des marteaux, on a besoin de la roche. Oh. C'était au sommet de la montagne, malheureusement, le Suranodon n'est toujours pas revenu, on ne peut plus monter au sommet. Oh, est très dur et un marteau fait de cette roche peut casser n'importe quoi. Pour jeter cette roche, je dois monter au sommet, mais je ne peux pas car je saute assez mal. Ah oui, vous êtes Espéranceau. Vous pourrez aller au sommet de la montagne pour nous rapporter le lot? Oh. On peut vous aider. Si vous nous apportez le oh, nous vous ferons des marteaux spéciaux. On va vous aider. Ok, t'es Superman. Eh bah, t'es un bon gars, bonhomme. Alors. Ah merde, faut leur dire, je crois qu'il faut leur parler aussi. Il faut parler à tous les gens des habitants du village, peut-être, je sais pas. Attendez. Allez, on va pas parler à tout le monde quand même. Je sais pas que ça. Donc là, il y a des trucs à cacher. Ah, voilà, fallait faire ça. Voilà, donc là, la montagne. Donc là, une nouvelle zone. Donc là, on va entamer la montagne ouf. Pardon. La montagne ouf. Et donc là, là, c'est autre chose. Attention, on va avoir des ennemis. On va avoir des potes. Regarde! Lui là! Voilà, premier ennemi. Enfin, premier ennemi de la montagne. Et voilà, ça s'appelle les Koumois, ou les Koumpois, les pois quoi. Donc c'est très très compréhensible. J'ai cru qu'il allait me foncer dedans. Et on gagne 8 points d'espérance, c'est formidable. Alors encore un pote. Salut mec! Oh! Oh! Mais arrête! Arrête de bouger! C'est chiant que tu bouges. Bon, ils font qu'ils ont que 5-6 points de vie, donc ça va le faire. Voilà. Bon, soit vous aussi prendre en avance, et puis voilà. Ah non! En fait, ils sont généralement très faibles, alors... Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus.
et il donne des pois AA. Qu'on servira, qui servent à échanger des trucs plus tard, mais vous verrez plus tard. Et voilà, c'est nickel. Vrille. Hey mec. Hey, il louche, ces gars-là. En plus, ces ennemis-là, on va les voir quasiment dans tout le jeu, quasiment, ces petits ennemis-là. Hein. Dans les plaines de VGC, il n'y a que ça. Mais vous avez vu comment ils sont faibles, hein. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est pour ça qu'on en verra des nouveaux. Une nouvelle sœur, des nouveaux trucs. Ah, mec, il charge direct, lui. Chargé! Ah, un nouvel ennemi. Qui s'appelle Skellerex. Ah, bah, c'est le Skellerex, vous voyez. Ouais, c'est bon, il m'a pas touché là. Skellerex, c'est assez chiant. Voilà, attention. Ils sont solides. Et voilà, fini! On va descendre. Avant d'aller là, on va descendre. Eh, salut mec! On saute direct, nickel. Ah, j'ai mal sauté. J'ai appuyé trop tôt. Et oui, pour l'espérance, ça fait toujours plaisir. Eh, salut bonhomme! Alors, on va déjà pour éliminer lui. Voilà. Bon, mais. Vous voyez, c'est un petit peu. Vous savez comment ça. On a le sentiment qu'on ne touche pas, mais si on le touche, c'est. Ah, c'est de toute façon. Hein. C'est pointilleux, hein, là-dessus. Hein. Ah, non, ça marche pas. Surtout que c'est pas évident à manier, parce que surtout que j'ai sur le. Surtout qu'on a ce truc-là. Là. Là, y'a quoi? Oh yes, y'a rien. Oh, mais c'est génial, y'a rien. Oh, mais y'a rien, c'est génial. Y'a rien. Y'a rien. Et maintenant, on continue. Il y a toujours des potes. Par contre, j'aurai un niveau acceptable parce que ça va pas le faire. Mais tu me s'énerve, ça m'énerve. Ah bah ça va. Il se relève aussitôt. Donc 4 Skellerex, attention, 2 Skellerex, pardon. Voilà. Lui. Touché. Coulé. Non. Ça c'était tenace, hein. Voilà. Et Mario monte au niveau 6, ce qui est formidable. Et on va lui augmenter ses PV éventuellement. Ça va peut-être servir. Ah ouais, ça peut servir. Ensuite. Tiens. Oh! Tu vas monter, oui? Ah, je suis dégâts qu'on le fait. Youhou! Tain, tain, tain.
Perfect. Et level 16 pour... Enfin, level 6 pour Luigi. Et on va lui augmenter son attaque. Ah ouais, mais de plus ça, mais c'est formidable ça. On va lui faire monter de plus de... Donc très bien. Ceci n'est pas un défaut, au contraire. Eh bien, donc là, il faut... Alors là, il y a un problème, là, on peut pas encore y aller. Là, il y a quoi? Oh, je sais même plus ce qu'il y a là-bas. Je revisite le jeu comme vous. Hein. Oh! Ok. Un camarade de chambre. Enfin, un camarade de classe. On a fait la guerre ensemble. Ils ont environ 7-8 points de vie. Donc les amis, ils ont quand même pas beaucoup de niveau. Enfin, pas quand même un haut niveau, quand même. Enfin, ils ont pas beaucoup de points de vie, vous voyez. Ils ont 8, 7, c'est un excellent jeu, quand même. Hein. Rendez-vous. Un ennemi qui a 7-6 points de vie, c'est un RPG assez sympa quand même. Hein. Vous voyez un ennemi qui a très peu de points de vie comme ça. Moi, je trouve, non, franchement, un RPG comme ça, c'est sympa quand même. Non, sérieux. Les ennemis font pas des gros dégâts, donc on va pas s'attendre à un truc quand même effrayant. Hein. Même le boss miel, il fait pas mal. Hein. Pour ceux qui le connaissent, pas de spoil. Merci. Et bon, on fait ça. Ensuite, il y a quoi là? C'est bon, j'en fais un truc. Alors oui, oui, j'arrive. Donc, oui, voilà. Donc voilà, il faut faire ça. Sauter dans les torrents, enfin danser dans l'espèce de tornade là. Ensuite. Et ensuite faire ça. Oh bien. Oh, alors là, je sais pas, il y a un point de sauvegarde. On va sauvegarder. Je sais pas. Un point d'eau. C'est formidable ça. Un point d'eau. On va boire la tasse, c'est formidable. Oh mais c'est encore un collègue, un collègue. Oh non mais c'est impossible ça. Je fais exprès de mal sauter et puis l'ennemi. Oh je l'ai. Sauter. Et deux chances à la suite, c'est bizarre ça. Deux chances. Eh salut mec. Voilà. Bon, il y a 8 points de vie. Ils ont... Oh là. C'était du calme, hein, oh. On fonce pas dessus comme ça. Oh bah il est KO. Et voilà, on gagne plus 16, c'est formidable. Et là, y'a quoi? Oh merde, y'a quoi là? Y'a encore des ennemis. Mais moi, je suis toujours à vaincre tous les ennemis que je vois, alors voilà. Et voilà, plus 2. Plus 1. Let's go. Okie dokie. Et voilà. 318, mais c'est formidable ça. Est-ce que ça marche si j'emmène le... Ah, c'est pour ça qu'il fallait d'abord éliminer les collègues. Hein. Et c'est nickel. Pour gagner... Ah, il va y avoir une tornade qui va se produire. Et voilà. Et voilà. C'est bien les tornades. Ensuite.
Et nous sommes déjà à 20 minutes de vidéo, mais c'est excellent ça. 20 minutes de vidéo, bien. Ensuite, et là, c'est quand même. Là, on a une, bon, pour la Game Boy, c'est pas mal quand même. Hein. On a une belle vue. Hein. Alors, là, il faut l'interrupteur. Ah! Ah! Désolé. On va reprendre. Attendez, je quitte, je reprends. Voilà! On a notre truc. Et voilà, tout ça pour un champignon, mais c'est formidable. Ça. Il en fait. Là, et là, on va activer le petit coin d'eau. Nickel. Et on va pouvoir venir à l'endroit de tout à l'heure. Et on tombe comme un crétin, voilà, normal. Ensuite, regardez si je prends Luigi. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas la peine d'insister. Ensuite, il faut faire ceci. Et hop là, glouglou. Glouglou. Là, il faut ça. Et un champignon up qui recharge. Bon, bah, bon, je crois que j'ai déjà expliqué. De toute façon, ça recharge la moitié d'un point de vie d'un concurrent, enfin d'un allié, d'un partenaire bah, évanoui, quoi. Donc, alors, là, on a, alors, pourquoi il y a un point de sauvegarde? C'est tout simplement parce que déjà, on va battre le second boss du jeu. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est la grosse pierre, là, vous voyez? Qui parle, qui est un peu bizarre là, avec ses beaux yeux brillants là. Et elle nous parle. Je suis Uffrose, une ancienne arme de la civilisation Ouf. Plus loin, la route devient plus difficile. Relevez le défi pour savoir si vous voulez, si vous pouvez continuer. Relevez le défi. Si on dit non, bah il, hop, donc il dit rien. Si on dit oui, bah ok, c'est parti. Essayez d'attraper des boules froides en moins de 30 secondes. Si vous tombez par terre, vous serez éliminé. Alors là, j'ai fait une grosse couille, je crois. Parce que, voilà. Voilà, parce qu'il faut très rapide. Ah! Ça me saoule. Ah! Mais c'est bon, arrêtez-vous de ma gueule. Voilà. Ah, putain. Bon, je crois que vous savez quoi, on va recommencer. Vous avez échoué. Ouais, c'est bon, la ferme. Pourquoi c'est... Il faut être plus rapide. Ah, mais c'est bon, ouais, mais c'est bon, ça. C'est bon. Ah, c'est... Faut être rapide ou quoi, là? Oh non, quel con! Putain, c'est pas facile quand je filme. Vache. C'est dur. Voilà. Voilà. Chaque fois, j'ai peur qu'ils disent pas, en fait. Nickel. Défi réussi. Alors, pour le prochain défi, essayez de me battre. Essayez de me battre, plutôt. Et voilà, et là, il change de forme. Et là, c'est sa forme un petit peu combattante, quoi. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, déjà, il faut éliminer d'abord le premier bloc, le premier pilier, parce qu'après, ça va être chiant. Il fasse ses mal, je crois. Voilà. Parce qu'après, il prend l'autre bloc et ça va pas le faire après. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Ah merde. Par contre, il devient assez dangereux. Non! Ça fait vachement mal, vous voyez? Il m'a déjà enlevé 6 points de vie, cet enfoiré. Et non, on va s'éclater, on va lancer des attaques stratégie. Rebon frère. Pas mal. Même si j'ai fait de la mouise. Voilà. Voilà, mais c'est nickel. Ah, bah là, plus 12 en plus. Il se mange bien le plus 12. Hein.
Putain, à chaque fois je me loupe ici, c'est dommage. Voilà. Alors ensuite, alors on va faire ça. Bien sûr, viser l'autre pilier, ça ne servirait pas à grand chose. Hein. Mieux faire comme ça. Ta-da-da. Voilà, mais c'est nickel. Il est pas spécialement dur, mais il fait un petit peu mal, ça c'est sûr. Ah, ça m'énerve quand je rate l'attaque comme ça. Ah, parce que moi je prends le niveau sans explication, je suis normal. Hein. Et il est déjà vaincu. Et ouais, parce qu'il a une cinquantaine de points de vie à tout casser. Et voilà, et on gagne 30 points d'expérience, ce qui peut toujours servir. Et on monte au niveau 7, mais c'est magnifique ça. Et on va monter, et vu qu'on est dingue, on va monter les PC. Oh mais tu t'es vraiment obligé de faire ça? Plus qu'un, ouais bien sûr. Bravo, vous avez remporté cette épreuve, vous pouvez continuer votre chemin. Y'a plutôt intérêt. Très bien. Eh bien, c'est bien tout ça. Eh bien, c'est sur cela que, bah écoutez, je vais m'arrêter. Je vous dis ciao et à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, disliker, abonnez-vous à ma chaîne, éventuellement commenter la vidéo. Donc je vous dis ciao et à la prochaine pour la quatrième partie de Mario Luigi Superstar Saga. Allez. Bye.